Éloigne-toi de lui. Laisse-moi faire. Tu m'as drogué. Tu m'as... Loïs, mon fils. D'abord Krypton, puis Métropolis. Tes proches ont tendance à sauter, pas vrai? Superman, non! J'aime ça chez toi, Superman. Tu es bien plus naïf que... Tu penses pouvoir avoir une famille? Que m'enfermer va me changer comme par magie, et qu'elle sera en sécurité. Si grand, si bête. Fichez le camp, que je puisse sortir de là. J'ai encore énormément de choses à faire. Ça suffit! Wonder Woman, Aquaman, finissons-en. Je dois aller à la tour de garde. Avant que Luthor ne nous envoie autre chose. Doomsday. Nous aurions dû combiner l'assaut. Clark oublie parfois qu'il ne peut pas tout régler seul. Un
interromps le divertissement de ce soir, Raven. Je déteste la violence, Luthor, mais je te trouve encore pire. Je pensais que t'aurais arrangé tout ça. Je m'appelle Cyborg, pas Monsieur Miracle. Nightwing à Batman, t'es là? On a besoin de toi. Je vais d'abord à Arkham. Je vais voir si Luthor ne l'a pas fait sortir. Plus tard, on est en train de dérouiller, là. Je me dépêche, Dick. On l'a surveillé de près, Batman, comme vous l'aviez demandé. Ça fait des heures qu'il n'a pas bougé. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment le Joker a fait? Ce n'est pas lui, le vrai piège. Et derrière nous. Tu es si malin. Tu es le pantin de Luthor, Deathstroke? Il paye bien. Et en prime, j'ai le plaisir de tuer Batman. Très bien. Désolé, Deathstroke. Pas de prime pour toi. Batman à tour de garde. À vous. Nightwing. Green Arrow, c'était quoi? La colère des dieux, Flash. La colère des dieux. Et on devient quoi? Les pauvres diables qui font le ménage. S'il n'y a plus rien pour nous interrompre. J'ai mis presque 2 minutes à craquer ton code. Beau travail. Bane. Es para mucho tiempo para esto. Je vais te briser le dos. Thank you.
mal, viens. Bane, Catwoman, Grundy. Tu es tout seul, Luthor. Les génies le sont souvent. Les psychopathes dans ton genre. Les héros, vous êtes tous les mêmes. C'est encore moins impressionnant de près. Ma patience a des limites. Tu t'es décidé à jeter tes jouets. Et c'est ça, génie. Superman, au rapport. C'est terminé. Les autres finissent. J'emmène Doomsday dans l'espace. Assure-toi de l'emmener assez loin. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'alarme, occupe-toi de tes affaires. Radiologique, Métropolis. Je vois déjà les gros titres. Les justiciers échouent, le clown fait un massacre. Tu lui as donné une ogive ? La Ligue disparaît et la ville bien-aimée de Superman est réduite à néant. Je consolerai bien la plèbe en offrant de la rebâtir à mon image, bien sûr. Il avait fini. Ici Batman, code rouge, tous à vos coordonnées. Vite ! Crâne d'œuf m'a dit de penser à... Oui, voilà. Monsieur J, ça marche! Retourne dans le van, Harley. Batman et moi avons à parler. Mais, Pudding... Pars! Tu n'as rien à faire ici. Batman, ma pomme frite, mon choupinet. Je savais que ce naze de Deathstroke ne t'aurait pas. Dommage pour toi. Qu'est-ce qui te prend ?
écran. Je n'ai qu'à la mettre en marche. C'est de ce bouton que tu dois te méfier. Et voilà. Occupe-le, Bruce. Ne nous attends pas, Barry. Fonce! Si tu appuies, il y aura 8 millions de morts. 8 millions d'eux, l'ami. Je voulais profiter de ce petit feu d'artifice à bonne distance. Mais puisque tu es là, m'accorderais-tu cette dernière danse? Avec ce truc. C'est sûrement de ta faute. Metropolis, et pourtant. J'étais peut-être trop sentimental avant. Ce sera bien mieux sans toi. Ne bouge plus. Et reste tranquille. Des insurgés? Juste de la racaille. Comme ce crétin du clan de Joker qu'on a presque eu. J'arrive toujours pas à croire qu'on ait perdu Batman. Ouais, faudrait pas que le grand patron l'apprenne. C'est un cauchemar.
Gotham, si on veut. Alors, déplacement temporel, monde alternatif ? L'un ou l'autre. On est peut-être dans une autre dimension, où les événements de notre réalité ont changé et on est dans un nouveau présent. Il faut tirer ça au clair. Et vite. Si la bombe du Joker a explosé, on doit y aller. La tour de garde devrait avoir relevé des anomalies, non ? Elle n'existe peut-être même pas. Je n'arrive pas à la joindre. On doit le découvrir. Je nous y emmènerai une fois ma bague rechargée. Les archives d'Atlantis. Si c'est une autre réalité, on peut y trouver la trace de l'événement déclencheur. Si Atlantis existe... Ça vaut la peine de vérifier. Allons voir ce qui se passe là-bas tous les deux. Anno, où est la batterie la plus proche ? L'aéroport de Ferris, à Coast City. Ah, au moins ça n'a pas changé. Reste à couvert, je reviens tout de suite. Tu as dit que la batterie était où ? Bureau de Carol Ferris, à gauche au prochain hall, troisième porte à droite. C'est la quatrième porte. T'es costaud, Dido. Oh. Je n'ai pas peur de toi, gamin. Si tu as peur, je peux le sentir. Raven ? Cyborg ? C'est ta toute dernière chance d'accepter l'amnistie du haut conseiller Deathstroke. Être rééduqué par votre programme et devenir une marionnette, comme vous. Le patron est généreux, mais pas moi. La plupart des titans sont morts à Metropolis il y a 5 ans. J'ai rien à voir là-dedans. Peu importe, tu restes du mauvais côté de la loi. Va dire ça à ton patron. C'est ça, vos méthodes ? T'es redevenu vert. Quelque chose cloche. C'est Hal Jordan, mais... Reculez ! C'est terminé ! Ce n'est pas le nôtre. Tu sens sa douleur ? Pas encore. Quand on en aura terminé avec lui, si on allait parler au Haut Conseil de tous les trois ? Assez ! Qui que tu sois, je t'arrête. Que je n'aurai plus à subir son insolence. Bon, qui est ce haut conseiller, celui qui a fait de toi une brute de seconde zone ? Tu vas voir la seconde zone. Toi, parlez, maintenant ! Ok. Parlons des ennuis dans lesquels tu t'es fourré. Et du traitement que je réserve à ta sale tête. Ah!
aux choses sérieuses. Pour le corps! Tête est toujours là. Sale vermine. J'aurais dû me tuer. Lâche-moi. Non, je ne suis pas avec eux. Qui que tu sois, ils te connaissent. Ils t'attrapent, et toi, t'as le cran de refuser leur amnistie. Pour qui travaillent-ils? Qui pourrait bien tenir des métas comme eux, on laisse. Al, tu es là? Al! Wonder Woman. Reviens ici de toute urgence. Sinestro est là. Sinestro? Il attaque les citoyens qui sont... J'arrive. Je dois recharger mon anneau. Et toi et moi, on va faire un petit tour. Je serai heureux de voir Green Arrow mourir à nouveau. Wonder Woman, Green Arrow et Hal Jordan. C'est de mieux en mieux. Tu m'amuses, Jordan! Prends ça, Sinestro. Opprimer ta planète natale ne te suffit plus, Sinestro. Le gouvernement de Terre Unie est similaire au mien sur Korugar. Une alliance était logique. Pour l'instant, je tolère les humains. Même Hal Jordan. Alors mon double a bien rejoint ton camp. Comme tous ceux qui souhaitaient vivre. Refuse d'être arrêté. Encore. Ça va? Al! On m'a appelé? Tu es avec Sinestro? Sinestro a raison. La peur est plus puissante que la volonté. Alors exit le vert et bonjour le jaune. La couleur des lâches. Je prône toujours l'ordre, comme les gardiens. Être fier de toi. C'est facile de jouer les saints quand on ne sait pas. Arrête. Je vais me botter les fesses. Ah!
terre. Botter les fesses. Bizarre. Et un peu perturbant. Ouais, tout ce jaune, ça fait mal aux yeux. Nous devons partir. Se cacher de la police? Il n'y a personne de bon ici? Peut-être bien que si. Toujours rien? La signature énergétique du parc n'est pas dans la base de données. Et si je vibrais à la même fréquence que cette signature et que je les suivais? On ne sait pas s'ils sont allés dans un endroit dangereux. S'ils sont allés quelque part, Superman a raison. C'est trop risqué. Dommage que je n'ai pas été assez rapide pour les attraper au départ. On les trouvera. Il le faut. C'est un plaisir rare, Votre Altesse. Je veux connaître le gouvernement de la surface, histoire et structure actuelle. Ah, pour les négociations du traité avec le Haut Conseiller. Oui, la discussion du traité. Je crains que nos ressources ne soient limitées. Superman s'est montré peu enclin à dévoiler les secrets de son gouvernement. Dis-moi ce que tu sais. Raconte-moi le déroulement de son ascension. Un rappel exhaustif pourrait mettre en lumière des perspectives de négociation. C'est un honneur, Sire. Il y a 5 ans, le criminel du nom de Joker a poussé Superman à tuer sa femme et l'enfant qu'elle portait et à détruire par la même occasion la ville de Metropolis. Fou de chagrin, Superman a tué le Joker. Oui. Tout le monde se souvient de ce jour comme si c'était hier. Il n'a ensuite plus montré aucune retenue. À la fois juge, juré et bourreau, il a rapidement éliminé l'élément criminel, assisté des quelques métahumains qui soutenaient sa cause. Ce qui l'a rendu plutôt populaire. Le monde de la surface avait besoin d'une autorité forte. Superman a donc assis son pouvoir. Il a créé le gouvernement Terre Unie. Les institutions démocratiques ont été balayées. Sire, les émissaires du Haut Conseiller vous attendent dans la salle du trône. Flash, Shazam, bienvenue. Votre Altesse, ravi de vous rencontrer. Et d'être les premiers habitants de la surface à voir Atlantis. Oui, nous devons parler de choses importantes. Le traité. La version finale. Superman est ravi que vous l'ayez accepté. Vous permettez?
Y a-t-il un problème, Votre Altesse ? C'est un asservissement total. Superman régnera sur Atlantis. Vous étiez d'accord. Nous étions d'accord. Vous me menacez ? Faites attention. Nous avons des ordres. Allez dire à Superman qu'il n'aura jamais Atlantis. Maudits soient vos ordres. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Je veux parler à Superman. On ne parle pas à Superman. On fait ce qu'il ordonne. Et tu vas tenir tes promesses. Faites de piètre diplomate. Le voilà, sire. Eh bien, c'est la dimension parallèle. Qui t'envoie, usurpateur ? Manta ? Ocean Master ? Je suis le roi d'Atlantis, et je n'obéis à personne. Contrairement à toi. Surveille ta langue. Tu donnerais ton royaume comme une vieille paire de chaussettes à un habitant de la surface ? Le traité oblige Superman à préserver les océans de la Terre et reconnaître notre indépendance. Tu mets ton armée à son service. Une concession nécessaire. Ou plutôt un apaisement. Je suis las de tout ceci. Emmenez-le.
voulais te proposer mon aide. Mais j'ai changé d'avis. Honneur Atlantis, en la sauvant. Soumets-toi. Parlons maintenant des réformes de la politique étrangère. Tuez-le! Quoi encore? Ils ont tendance à frapper la mort, n'est-ce pas? Mais j'ai peut-être un peu attisé les flammes. Arès, que fais-tu ici? Je me nourris des conflits. Jusqu'à aujourd'hui, je jeûnais. J'ai senti le retour des tensions et cherché la source. Tu as fait plus. Tu nous as conduits ici. Non, mais je sais qui l'a fait. Ma flamme n'a pas besoin d'être attisée. Dis-moi qui. Tu penses pouvoir me commander? Exact. Et tu vas m'obéir. Faible, Arès. Le règne de Superman ne laisse aucune place au conflit. Il m'a presque privé de mes pouvoirs. Si tu ne nous as pas amenés ici, alors qui? Ceux qui refusent le règne de Superman. Les insurgés. Des héros? Un seul. Les autres héros qui ont défié Superman ont été éliminés. Il les a tués. Et les seuls survivants sont ceux qui l'ont rejoint. Ainsi qu'un petit nombre d'anciens criminels, dont l'allégeance a été achetée, ou forcée. Je dois contacter mes amis.
Ils sont avec les insurgés en ce moment. Envoie-moi près d'eux. Comment t'es venu ? Arès. Pas notre Arès. On sait. Voici leur Batman. Je me demandais comment te faire revenir d'Atlantis. Migraine ? J'essaie de l'éviter. C'est un améliorateur de résistance. 5U93R. Comment une pilule peut... Technologie kryptonienne. Elle augmente la force de tension des os et des tissus de plusieurs milliers de pourcents. Il te dira le reste plus tard si tu as du mal à t'endormir. Il a emprunté la recette à Superman. Il la donne à ses larbins. Oui, j'ai rencontré quelques doubles maléfiques. Pas maléfiques. Ils obéissent à Superman par crainte. Ou parce qu'ils le croient et qu'ils ont perdu tout recul. Alors il ne reste que toi. Pas tout à fait. Qu'est-ce qui se passe ? Comment as-tu survécu ? Il est avec moi. Contrairement à votre Luthor, je ne suis jamais devenu un criminel. Superman est loin de se douter que son meilleur ami finance l'insurrection. Le rôle de Luthor est un secret. Les gens qui s'opposent à Superman disparaissent. Hommes politiques, activistes, journalistes. Maintenant que nous sommes ici, dis-nous pourquoi tu nous as choisis. Et pourquoi tu n'as rien demandé avant de nous enlever ? On était occupés. La bombe nucléaire, elle n'a pas explosé. Votre transport...